Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans une vidéo pile à lire et ce sera ma pile à lire du mois de mai, entre laquelle je vais jongler entre ça et les livres du mois de la fantasy, où je vous ai présenté tous les titres de fantasy que j'avais dans ma pile à lire et on verra, enfin quasiment, et on verra bien au fur et à mesure ce que je compte lire ou non. Alors cette vidéo sera moins longue que d'habitude, il y aura également moins de titres, mais vu que je m'y tiens pas trop, bon ben voilà, hein. Et puis vu qu'elle est le mois de la fantasy en même temps, on verra bien. Donc au mois de mai, j'aimerais lire Roi de Cendre de K. Ancrum chez Milan. Donc il sera obligatoirement lu puisque je dois le rendre à Marilyn aux Imaginales et que je ne veux pas la laisser attendre plus longtemps pour récupérer ses livres. C'est pour ça que nous aurons également Mes Vies à l'envers de Maxime Fontaine chez Gulfstream dans la collection Echo. Et 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton chez Gallimard. Bon après c'est du Gallimard, c'est écrit très gros donc ça devrait vite se lire. En général, la plume de Manon est quand même assez addictive. Ensuite, un livre que je vous mets là parce que je ne l'ai pas encore en ma possession. Il va arriver tout début du mois de mai ou fin avril. Il s'agit de La Fille des Demandes de C.C. Hunter chez Michel Lafon, que je lirai peut-être en lecture commune avec Sylvie. Tout simplement parce que ce mois-ci, j'ai décidé de lever clairement le pied sur les LC parce que je suis extrêmement fatiguée. Là, je fais poireauter Marilyn depuis 5 jours, donc voilà. Parce que j'arrive pas à lire, donc j'arrive pas à me concentrer avec la fatigue, donc je lève le pied sur le mois de mai, puis je reprendrai tranquillement en juin. Donc on aura peut-être celui-ci en LC, un autre qui était prévu, mais par contre je repousse pas, donc je garde cette LC là. Il s'agit du Gardien des Cités Perdues, le tome 5, le projet Polaris de Janelle Messenger chez Lumen, qu'on lit comme d'habitude avec Tania et Sylvie. Ensuite on a Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy chez Ozu. Voilà, il est gros, maintenant c'est écrit aéré, c'est écrit assez gros chez Ozu, donc il devrait très vite se lire, et j'ai trop envie qu'il sorte. Dune, le tome 1, Le Souffle de Manon Fargeton, publié chez Rajo au format poche, pour savoir avant les imaginales du coup si je lui prends le tome 2 ou non. Amelia Fang, le tome 2 et les Seigneurs Licornes de Laura Hélène Anderson chez Casterman. Les Chevaliers des Gringoles, le tome 2... Opération Gofus de Erwan J et Papaya chez Nathan. Un anniversaire sans fin de Cathy Dalle, publié chez Slalom. 42 jours de Céline Edgar au format poche chez Castlemore. Samantha Spinner, le tome 1 et les plans super secrets de Russell Gins chez Flammarion Jeunesse. Imami de Suzy Morgenstern chez les éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium Poche. Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo. On nous dit une forêt, une maison isolée, quatre filles, quatre garçons, une soirée frisson pour rigoler. Entre guillemets, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Roselaine, le tome 1 de Nathalie Sommers chez Didier Jeunesse, puisque l'auteur, il me semble qu'elle est présente aux Imaginales, donc savoir si je me procure le tome 2 ou non. Movers, le tome 2, Noir Futur de Megan McIsaac chez Ozu, pareil que pour Aurora. Oui, il est gros, maintenant ça se lit en un rien de temps. Je l'ai bien vu avec le tome 1 de Movers, ou encore avec Des Nuits de Sang et d'Étoiles que j'ai littéralement bouffé. Et Sirens, Rivage de Mélissa Scanu chez Plume Blanche Édition. Parce que bah voilà, j'ai envie de découvrir cet univers avec des sirènes. Donc j'espère bien me plonger dedans en mai. Voilà pour ma pile à lire du mois de mai. Donc comme je le disais tout à l'heure, couplée avec celle de fantasy du mois de la fantasy. On verra, je piocherai en fonction de mes envies du moment. Je ne vais pas me prendre la tête si je réussis à lire toute la pile à lire, tant mieux. Enfin celle-ci, hein, pas celle du mode de la fantasy, qu'on soit bien d'accord. Si j'y arrive pas, bah écoutez, c'est pas grave. Et si j'y vis, c'est pas grave non plus. À l'heure actuelle, au moment où je vous filme cette vidéo, c'est ce que j'ai envie de lire. On est le 27 avril. Donc il devrait y avoir quand même pas mal de titres qui vont sortir de cette pile à lire, même s'ils ne sortiront peut-être pas tous. Voilà, j'en ai fini de vous présenter ces titres. N'hésitez pas à me dire si ces titres vous font envie, si vous voulez des avis dessus, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, quels sont les titres que vous aimeriez lire pour le mois de mai. N'hésitez pas à me dire également si à l'approche des salons, vous faites une pile à lire en fonction, bah, par exemple, de certains auteurs qui peuvent être présents, ou ce genre de choses tout simplement, et je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!